صوب الأرض بتتفق على الملك يسوع، بتسبح لك وتغني لك وتسب الخشوع. كل شعوب الأرض بتتفق على الملك يسوع، بتسبح لك وتغني لك وتسب الخشوع. الأرض دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالم وسطيها. الأرض دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالم وسطيها. شايفينك وانت بتمشي يا رب، سلطانك وسطينا، وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور أراضينا. شايفينك وانت بتمشي يا رب، سلطانك وسطينا، وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور أراضينا. الأرض دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالم وسطيها. الأرض دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالم وسطيها. Maroc dans la sainteté, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour frère Julien. Bonjour ma sœur Elisabeth, comment tu vas? Bonjour. Frère Meshi, bonjour. Par la grâce de Dieu. Bonjour frère Julien. Frère Francis, bonjour du côté de Casablanca. Salam. À leadership, pour voir séjourner l'apôtre Paul, bonjour à la sœur Linda. Bonjour, Julien. Heureux de vous retrouver, je suis vraiment heureux de vous retrouver. Regardez ce qui est écrit là-bas. Vous voyez ça? Je vous aime. Et c'est pour ça que je suis en joie comme ça. Je suis obligé de danser. Okay. Je suis content. Allez, on danse alors. Comment mon frère Francis? Je sais, tu comprends ce que nous chantons. Mais tu es en arabe, tu es au Maroc, non? C'est vous qui chantez ça. Moi, il ne comprend pas, il danse seulement. Dansons. Après, tu vas nous donner l'interprétation. Allah,
que quand on est en vision, je vois tout. La sœur Elisabeth, on ne te voit pas, tu nous montres seulement le tableau du Seigneur Jésus. Là maintenant, on te voit. Bonjour. La sœur, quand elle me regarde, elle me fait les yeux doux. على الروحك فينا بيسر في دينا وبك يا معين نشتي من حوالينا بروتك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالي وسطيها الارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالي وسطيها نشيل وياك رافعين راية ووعد غالي ثمينا بالدم الغالي نشوف آيات وصليبك يغنينا انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها الارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها الارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها بلدنا دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها بيوتنا دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالي بوسطيها حياتنا دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالي بوسطيها Bienvenue au frère Nassiru, à Nassiru. Bonjour et bienvenue. Bonjour frère Junior. Oui, merci. Tu te moques seulement de moi. Shalom à tout le monde. Oui, shalom. Tu te moques seulement de moi comme je disais. Shalom. Comment tu es? Je suis obligé de danser parce que vous me voyez. Je suis fixé là et puis je danse. Tu es où? À Tanger ou bien à Casa? Je suis à Tanger. À Tanger, comment ça va à Tanger? Tu n'es pas en danger à Tanger, n'est-ce pas? Non, non, tout va bien, Dieu merci. Okay. Il n'y a pas de danger. Mm-hmm. Que le Seigneur te bénisse. La sœur Linda, bonjour. Comment tu vas aujourd'hui? Ton téléphone et ton laptop, ça va déjà? Oui, ça va pas. Le frère Melchi, toujours calme comme l'eau du Tanger. Il est toujours calme. Bonjour. Bonjour, frère Junior. Je suis à votre service. La sœur Elisabeth, bonjour, à du côté de Casablanca, avec le frère Francis, notre bien-aimé frère. Bonjour. La sœur Linda, apparemment, il faut être en chiffre. Pardon. Il fait trop froid en Chypre, là, n'est-ce pas? Alors, je suis à votre service maintenant. Nous sommes samedi, l'autre édition de Maroc dans la sainteté. Je suis à votre service. Je suis à votre service. Le frère Nassiru, c'est la première fois qu'il participe à l'émission. Peut-être ne sait pas comment ça se passe. Ou mieux, peut-être il a dû écouter sur Bamba Iba comment ça se passe. Je suis à votre service, posez toutes les questions que vous voudrez. Le frère Melchi, y a-t-il quelques sujets d'exhortation que tu aimerais nous apporter aujourd'hui? Ce serait bien comme ça, fabuleux que toi tu nous exhortes, non? Mais beaucoup plus de questions. Non, ton hésitation c'est une question quoi? Non, il y a des questions et des questions par rapport à la lecture de la Bible et des questions qui surgissent comme ça. Mm. On a besoin parfois d'avoir des réponses. Oui. Donc, ne t'inquiète pas, le frère Nassiru. Pardon, ces questions-là. Ils sont là, ils sont prêts à répondre. Ils sont prêts. Donc, pose ta question. Donc, pardon, ces questions-là. Il y a une question que j'ai mise sur le groupe Skype, là. Pour Kyria, de 1 Jean chapitre 2. Comme le frère Méchal est de parler, les autres, fermez le micro pour que ça ne fait pas. Il y a un retour, là. C'est pour ça que le son n'est pas bon.
Donc, quand vous voudrez parler, vous ouvrez le micro. Quand vous finissez de parler, vous fermez le micro. Oui, frère Meshi, vas-y. Oui, la première question, c'est dans deux gens. L'identité de Kyria. Est-ce que Kyria, c'est une femme dans deux gens? Oui, dans ce livre de deux gens, il est écrit effectivement l'ancien à Kyria. Kyria, l'élu du Seigneur. En fait, lorsque je pose la question, le fait qu'ils ont écrit élu, si tu regardes très attentivement, l'élu est écrit avec E à la fin. Donc ça montre clairement que c'est une femme dont tu as entendu parler. Et en plus de cela, le mot Kyria en grec, c'est le féminin de Kyrio, c'est-à-dire le Seigneur. D'accord? Le mot en grec Kyria, c'est le féminin de Kyrio, c'est-à-dire en grec, ça veut dire le Seigneur. Qui veut dire Seigneur? Donc ça dit c'est à une femme qui a l'air de s'adresser. Oui. Quelle est la question qui la question est-ce que la question la Bible déclare l'ancien à qui il y a le délit de ses enfants. Est-ce que c'est des enfants biologiques ou des enfants de la foi? Donc, et ici donc ça sous-entend effectivement que cette femme, si c'est une ancienne de l'église qui a les enfants dans la foi. Dans la foi. L'apôtre Jean, un apôtre du Seigneur n'appellerait pas ces gens-là les enfants du Seigneur, parce que tous les apôtres appellent les autres chrétiens les enfants du Seigneur, pas les enfants d'une autre personne. Tu vois cela, n'est-ce pas? Donc je ne pourrais pas écrire à quelqu'un du côté étranger en disant, par exemple, les gens sur qui le Seigneur t'a établi, en disant tes enfants ou tes disciples. Un chrétien qui est loin de l'esprit ne ferait pas cette erreur-là, comme aujourd'hui on le voit. Où les gens appellent maintenant que ça c'est le père spirituel, comment va votre père spirituel? Ça ne se dira pas avec le Saint-Esprit. Donc ici, l'apôtre Jean n'est pas en train d'écrire à Kyria en parlant de ses enfants comme ses enfants dans la foi qu'elle a engendrée. Ça n'a pas de sens. Vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Maintenant, vous voyez effectivement qu'il est question des enfants de cette personne-là, de cette femme-là, qui a engendré des enfants, accouché des enfants, les enfants propres de cette personne-là, qui marche désormais dans la vérité. Parce que chez elle, certainement, il y avait une assemblée qui s'y réunissait et ses enfants obéissaient à la foi. Maintenant, prenons à partir du verset 1, lisons tous les deux gens-là et on voit dans le contexte. Allons-y, frère. Donc, à partir du verset 1, la Bible déclare l'ancien à Kyria, l'élu et à ses enfants, le génie de la vérité, et pas par, ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de Père et de la part de Jésus-Christ. Le Fils du Père dans la vérité et la charité. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans le monde reçu de Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme le prescrivant un commandement nouveau, mais que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ces commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Voilà, je crois que les 13 versets de ce livre des gens, de deux gens là, ce n'est pas. Oh là. Je crois que les 13 versets de ce livre des deux gens, la connexion n'est pas très bonne avec Tanger. Je ne sais pas si. La seule ligne là, tu peux. L'île de Chypre, tu peux nous dire cela? Le même? Je ne sais pas si ta connexion est aussi bonne là-bas, en Chypre. Ou bien ça a fait naufrage, le bateau a fait naufrage comme l'apôtre Paul avait fait. Oui. Ton micro est fermé. Oui, d'accord. Je suis en train de verser ta page. Tu n'y étais même pas encore, hein? Non, je crois que le frère s'est juste arrêté. Il n'a pas compris, peut-être qu'il fallait jusqu'au bout. Mm-hmm. Oui, je me suis arrêté au verset 6. Oh oui, c'est mieux parce que ta connexion est gribouillée là et on n'entendait pas bien. C'est mieux. Je crois que la personne qui a la connexion plus bonne, comme la seule, la essaie de lire, voir à partir du verset 1 encore. L'ancien à Kyria, lui, à ses enfants, oui. Elle n'a pas encore trouvé. C'est deux gens. C'est après, avant Apocalypse. Là, tu vas à Apocalypse, tu rentres doucement. Bon, je peux lire encore. Je peux lire. Ok. Vas-y, mon cher Francis. Allons-y. 2 Jean chapitre 1. Verset 1 alors.
Oui, je suis à Tessa. 2 Jean chapitre, verset, à, la toute première verset, de toute façon, jusqu'à la fin. Ok. De la part de l'ancien à la dame qui a été choisie et à ses enfants, ce n'est pas moi seulement qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Nous vous aimons à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Oui, la grâce, la compassion et la paix seront avec nous dans la vérité et l'amour. Elles viennent de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père. J'ai éprouvé une très grande joie à rencontrer quelques-uns de ces enfants qui marchent dans la vérité conformément au commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, voici ce que je te demande, chère dame, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Chère dame, là, ce n'est pas un commandement. Chère dame vient faire quoi dans cette version-là maintenant? Vous aussi avec vos versions. Chère dame, sort d'où là maintenant? C'est quelle version encore là-bas, maman? C'est seconde 21. C'est la vue qui est en rouge là. C'est quand même terrible. Ouvre ce livre, celui second la voix. Ouvre celui second au chapitre 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 26 seulement. Et vous allez voir quelque chose. Vous allez voir quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose dans ce livre là. C'est quand même terrible. Que chère dame. Non, mais c'est terrible ça. 1 Corinthiens 14. Lis le verset 26 seulement. Écoutez très bien. Frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se passe pour l'interprétation. Vous avez entendu le danger de ces chars d'interprétation. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Vous voyez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Maintenant, lis le verset 33 et 34, voir dans ce même chapitre. La sœur Linda. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, où vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, mais elles doivent se soumettre comme le dit la loi. Maintenant, le verset 26 disait quoi déjà? Que faire donc, frères et sœurs? Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation, que tout se passe pour l'édification. Vous voyez qu'il y a un problème. Et je veux que toi qui as lu cela, essaie de nous dénicher quel est le problème qui se pose. Comme j'ai fait état de ces versets-ci, qu'est-ce que tu y vois comme problème? Et chacun peut apporter un enseignement. Quelle est l'implication d'avoir introduit frère et sœur? Comme frère Machine, dans ce même passage-là, chez toi, est-ce que c'est dit frère et sœur? Non. C'est juste dit, que faire donc frère? Voilà. Maintenant, quelle est l'implication, la sœur Linda, quelle est l'implication d'avoir ajouté et sœur à cette chose-là? Dans ce passage-là. C'est une manière de dire que la femme peut enseigner. Et le verset 26, et le verset 34 et 35 continuent à dire une chose qui le contraint, n'est-ce pas? Et dans 1 Timothée chapitre 2. Vous voyez, c'est pour ça que quand tu as lu de Kyrias, là, on dit que chère dame. Je ne sais pas où chère dame est venue chercher là-bas dans le livre des 2 Jean. Que chère dame veut dire quoi? C'est pour cela que ça m'a interpellé, d'accord? Il y en a plein comme ça dans ce livre-là. J'ai perdu ma Bible, on m'a donné ça aussi. Courage, d'accord. Il te faut un don de Bible, alors. Donc, j'ai quand même le vrai livre, c'est bon, sur mon téléphone. C'est juste que comme je ne voulais pas regarder. Donc, ça va te permettre, donc, quand tu travailles désormais dans une version, il faut comparer avec l'autre version pour faire ce qu'il en est. Sinon, petit à petit, vous allez intégrer des choses dans votre être que vous allez admettre comme venant de Dieu, alors que ça ne vient pas de Dieu. Parce que dans l'original, il n'y a pas « et sœur ». Le mot « et sœur », le groupe de mots « et sœur » ne se retrouve pas là-dedans, dans l'original. Et par conséquent, si quelqu'un y ajoute dans l'optique des faits qu'on puisse amplifier. Quand l'apôtre écrivait, il disait que « frère », il savait effectivement ce qu'il avait dit. Le Saint-Esprit a écrit, il n'a pas dit « frère et sœur ». Mais dans cette version, vous allez voir effectivement qu'on a amplifié chaque fois « frère et sœur ». Ah, c'est quand même terrible ça.
Et ce qui est curieux, c'est que c'est lui, c'est que c'est dans la même version, on dit là-bas, seconde 21, révisé. On révise quoi? Il y a quoi que ça a révisé là-dedans? Que Dieu le vienne en aide. Bon, le frère Melchi, ça va par rapport à ta question, n'est-ce pas? Si vous lisez le verset, lisons le verset 11 et 13. Le verset 11 et 13 de ce livre-là, des deux gens où nous étions tout à l'heure. Laisse, chère dame, là, tranquille. Laisse le frère Melchi lire. Je peux lire sur le téléphone. Comment? Je peux lire sur le téléphone. Ok, lis donc sur le téléphone. Donc, si tu as à deux gens, le verset 11 et 13. Ça, c'est intéressant. Comme ça, on conclut le sujet de cette Kyria-là. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Oui. Quoique juste beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler bouche à bouche afin que votre joie soit parfaite. Mm-hmm. Les enfants de ta sœur, les livres de salut. Voilà, lis le verset 9 et le verset 13. Dès que tu finis de lire le verset 9, tu vas au verset 13. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Oui. Les enfants de ta sœur, les livres de salut. Verset 10 maintenant. Lis un peu le verset 10, la façon dont ça parle. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Donc, à première vue, Chez Kyria, des gens qui connaissaient la foi se rassemblaient de temps en temps. Ici rencontrés. Et là, il a dit de donner les avertissements à Kyria, qu'il a trouvé que parmi ses enfants, il y a des gens qui marchent dans la vérité selon l'évangile. Mais il les recommande davantage de marcher dans cette vérité-là, parce que c'est la vérité, c'est ce qu'on a eu dès le commencement comme enseignement du Seigneur, que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ici, donc, il dit donc, il y a plusieurs secteurs qui sont entrés dans le monde et ne confessent pas jusqu'à ce qu'on vient dans la chair. Il dit, ces gens des personnes, ne le recevez pas dans votre maison. Ça se passe qu'on ne peut pas admettre, il disait à cette femme-là, de ne pas admettre n'importe qui chez elle, pour que n'importe qui entre chez elle pour pouvoir enseigner n'importe quel style de doctrine. Et puis par la suite maintenant, étant de là où il en a décrit à Kyria, il dit qu'il y a une autre sœur là-bas qui a ses enfants également et qui est l'élu, qui salue également Kyria. Donc c'est une femme également qui suit Dieu et qui est crue. Il dit quoi? Les enfants de ta sœur, l'élu, te saluent. Donc ça dit que cette femme-là est aussi élue comme Kyria et elle a aussi les enfants. Que Dieu te bénisse, mon cher frère. Donc, vous voyez, effectivement, voici des passages que les gens veulent utiliser pour dire que Kyria était une ancienne de l'église, elle conduisait une assemblée. Pourtant, rien ne présage et rien ne dit cela dans ce verset-là. Or, les passages de l'écriture qui sont plus clairs doivent être utilisés pour interpréter celles qui sont dans l'homme. De façon claire et de façon directe, la Bible dit que les femmes, les anciennes doivent être des femmes. Comme dans ce livre de Tite, chapitre 1, le verset 5, il dit que si se trouve quelques hommes mariés d'une seule femme, ayant des enfants, ainsi de suite, qu'ils ne soient ni accusés de débauche, irréprochables, ainsi de suite. Voilà donc, voilà ce qu'il en est. Des questions? Juste par rapport à ce verset, effectivement, il y a aussi une autre interprétation que les gens ont donnée, disant que Kyria, c'était une église. Donc, les gens se basaient dessus sur le fait que Kyria, c'était une église. Ça, c'était une autre interprétation. Je comprends, je crois que c'était peut-être aussi ça que le frère Melchi ça partait. Et là, si on dit c'est une église, ça n'a pas de sens parce qu'aucun sens biblique de l'église ne s'attribue à un bâtiment. Donc, ça n'a pas de sens même pour commencer. C'est-à-dire que les gens pensaient que c'était une église dans le sens propre du terme. Si c'est dans le sens propre, l'église qui se réunissait, ou bien l'église d'une ville. Et là, il y a un problème. Parce que nous ne pouvons pas être des enfants de l'église. Voilà. Et ça, c'est de un. Et de deux, la Bible ne peut pas appeler l'église d'une femme dans un lieu particulier. On appelle la femme, l'église est attribuée à une localité. Pas de cette façon-ci. Comme l'église de Corinthe. Vous voyez, n'est-ce pas? L'église d'Éphèse. Les églises de la Galatie. Donc, elle est nommée, elle prend la localité tout entière. Ici, ce n'est pas une parabole, c'est une lettre écrite. Donc, ça s'adresse à une personne, exactement comme l'apôtre Paul s'adressera à Timothée. On ne peut pas prendre Timothée en disant que Timothée, c'est le symbole des frères et ceux qui se réunissent à la fête. Ça n'a pas de sens. À Timothée qu'il dit. Il y a un être humain qu'on appelle Timothée et à qui la lettre est adressée. Vous voyez, il y a une lettre humaine qu'on appelle Tite, à qui la lettre est adressée ici. Il y a une lettre humaine qu'on appelle Allons dans 3 Jean, lisez le verset 1 de 3 Jean, voir. Regardons très bien que c'est dans le même contexte que ça se situe.
3 Jean maintenant, verset 1. L'ancien Agaïus, oui, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Voilà, maintenant c'est bon. Alors maintenant, c'est quel type d'église? Alors maintenant, on dirait que maintenant que Gaïus est qui alors? Vous voyez qu'il présente de la même façon l'ancien Agaïus, l'ancien Akiria. Donc, c'est une personne qui écrit à une autre personne. Gaïus, c'est quelqu'un qui a accueilli beaucoup de frères. Il a même accueilli l'apôtre Paul chez lui. Et il faisait accueillir beaucoup de gens. Exactement comme Phoebe le faisait et il aidait les frères. Donc, ici, il ne s'agit pas d'un contexte de complications prophétiques. Il s'agit d'une lettre écrite à une femme qui a des enfants qui croient au Seigneur et qui, de temps en temps, des enseignants et autres là-bas, elle accueille les frères chez elle. La lettre donne deux exhortations particulières, de continuer dans l'amour, de maintenir la vérité et puis d'éviter de recevoir dans sa maison des gens qui viennent enseigner des choses qui sont contraires à la vérité première reçue. Amen. Des questions? Pardon. Je crois que le frère Francis a une exhortation. Deuxième question, frère Junior. Oui. Deuxième. Excusez-moi, je vais ajouter quelque chose là. Je vais dire. La connexion n'est pas bonne là. Par rapport à ce, à la question du frère. La question du frère. Ma sœur, si tu m'entends et que tu ne parles pas. Il parlait de Kyria. Oui. Et je crois que. Si tu m'entends, oui, alors vous m'écoutez. Ça c'est dans ton couple là. Si c'est possible, tu écris sur le forum comme ça, quelqu'un qui a la connexion claire, plus lire. Parce que ça te couple là. D'accord, ma soeur? Et tu tapes la question, l'autre, quelqu'un d'autre. Mais le frère Nassour, oui. Nassour, il est là, il dort. Le frère Nassour. Je suis là. Je vous écoute. Ah, ok. On admire aussi t'écouter, il ne faut pas seulement nous écouter. Oui. Tu as suivi tout ce qui est dit. Moi, j'ai très bien suivi. Mm. Oui. Mais toujours dans le deuxième épître de Jean, là. Oui. Au chapitre 1. Pourquoi l'apôtre Paul met l'ancien? Pourquoi il ne pourrait pas mettre à la sœur qu'il y a? Pourquoi il a voulu forcément qu'il mette seulement ancien? L'ancien. Si on se concentre sur l'ancien, là. Regarde bien la façon dont c'est écrit. L'ancien n'est pas le titre pour la femme, c'est son titre à lui. Un peu comme on dirait Paul, apôtre de Seigneur. Mais quand on peut dire que c'est pour la femme. On peut donner cette attribution à la femme là. Non, c'est pas possible parce qu'il dit l'ancien a. Donc l'ancien est écrit à Kyrias. Donc ancien n'est pas mis pour la femme, c'est mis pour la personne qui en écrit. L'ancien c'est le titre de la personne qui en écrit le livre. Il dit l'ancien. Ah. Il pouvait dire Jean à Kyria, d'accord. Si on met Jean là-bas, tu vas dire maintenant Jean, le nom de Kyria, là c'est Jean. Ah, d'accord. Mm-hmm. Donc, le frère Meshi avait une deuxième question. Frère Meshi, allons-y. D'accord. Oui, frère Junior, c'était une précision. La fois dernière, je pense, de la semaine, j'ai écouté lorsque vous avez parlé de la fonction ou encore le ministère de l'Élie. Et en expliquant ça, vous avez encouragé de revenir 5 fois. Alors, la première fois, j'ai essayé un peu de l'occasion par rapport à... Vous m'entendez, je pense? Oui, j'entends. Je crois qu'il peut parvenir à percevoir. Je ne sais pas si les autres puissent parvenir à entendre. Donc, j'ai essayé un peu de localiser les venues d'Élie. Mmh. J'ai vu qu'Élie est venu pour la première fois. Ouais. Deuxième fois avec Élisée. Oui. Troisième fois avec Jean-Baptiste. Oui. Et quatrième fois, donc après le chapitre 11. Mais cinquième fois là, je ne me suis pas retrouvé. Oui. Alors, quatrième fois où? Quatrième fois, après chapitre 11. Mais voilà. C'est avec bon. Les deux témoins. Voilà, tu vois, en fait, tu as sauté une fois et tu n'as pas remarqué qu'il doit d'abord revenir pour rétablir toute chose. Tu as remarqué cela? Là-bas, il ne rétablit pas toute chose. Il vient avec Moïse d'abord pour le garde d'Israël seulement. Oui. Jean-Baptiste a-t-il rétabli toute chose, frère? Non. Matthieu chapitre 17, allons-y dans Matthieu chapitre 17. Non. Voilà. Matthieu chapitre 17, on va voir. Vous voyez, dans ce Matthieu chapitre 17, les disciples sont. Il y a trois disciples, Jean, Jacques et Pierre, qui sont allés sur la montagne là-bas, passer la nuit avec le Seigneur au point où. Il y a la transfiguration.
ils ont vu que subitement quelqu'un qui leur apparaît, deux personnes qui leur apparaissent, Moïse et Élie. Ce qui se passe, c'est que lors de la descente, ils vont se poser des questions parce qu'ils avaient vu là Élie qui était ressuscité, enfin qui avait été enlevé du ciel dans l'huile du roi, et ils ont aussi vu Moïse qui était mort et ressuscité. Les deux chandeliers se tenaient devant le Seigneur de la terre. Ils se posaient la question, donc comment l'enseignement, allons d'abord lisons cela. Vous y êtes. À partir du verset 9. Oui. Verset 9, lis-nous ça, verset 9 en descendant, suivons-les. Quand ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ait ressuscité de mort. Les disciples firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Stop là-bas. Donc tu vois que, d'après les enseignements des scribes et des pharisiens, les disciples s'attendaient à ce qu'avant que le Messie ne se manifeste, que quelqu'un vienne, qui se nomme Élie, qui vienne. Vous voyez, Jean-Baptiste, quand il est venu, si vous lisez les Jean chapitre 1 et chapitre 2, il est question là-bas de la question que les disciples, les pharisiens ont envoyé poser à Jean. Qui dis-tu de toi? Es-tu le Christ? Il dit non. Oh mon Dieu, où est ma Bible dans cette maison-ci? Garçon, va me prendre ma Bible, la petite Bible sur le lit là-bas, tu veux me donner. Alors, regardez, ma petite Bible, c'est sur le lit là-bas. Donc, j'ai prié le matin. Alors, ici, il est dans, prenons en parallèle, je crois que vous en avez noté là, non? Dans Jean chapitre 2, on va lire cela, Jean chapitre 1, on va lire ça rapidement là maintenant. Et en parallèle avec ce livre de Matthieu, on va lire Marc si le Seigneur permet, et puis Luc, et puis Malachie. Alors, allons dans ce livre de Jean là. Jean chapitre 1, regardez quelque chose. Vous y êtes dans Jean chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 19. Suivez seulement. Bonjour à la sœur Erna qui écoute avec une oreille gendarme du côté de Casa. Alors, voici le témoignage. On y va. Voici le témoignage des gens. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem les sacrificateurs et les Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ?» La question devait être claire. On lui a posé la question « Toi, qui es-tu ?» Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Écoutez très attentivement. Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Il lui dit, alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. La sœur Elisabeth, ton micro est ouvert, ça fait du bruit. Qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous sont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Voici ce qu'il dit. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. Donc, nous voyons ici dans la fonction de Jean-Baptiste, la fonction qu'il vient faire, remarquez très attentivement, il a dit ne pas être le Christ, dit ne pas être Élie le prophète, dit ne pas être le prophète, parce que le prophète est un qualificatif de Deutéronome chapitre 18. Maintenant, on lui dit, ok, dis-nous, qu'est-ce que tu dis de toi-même? Il a pris sa fonction dans le livre d'Ésaïe chapitre 43, verset 3, où il a dit, voici la voix de celui qui crie dans les déserts, préparez le chemin du Seigneur. Donc ici, le Élie dont il est question dans le seul livre dans Matthieu, Marc et Luc, il n'est pas là pour rétablir toutes choses. Regardez très attentivement, il n'est pas là pour rétablir toutes choses, mais pour préparer. Voilà son rôle. Donc, il y a Élie qui vient pour faire quelque chose. C'est Élie qui est venu, avant que le Seigneur ne vienne en place, préparer le chemin du Seigneur, préparer le chemin pour disposer au peuple, au Seigneur, un peuple au cœur disposé. Or, le Élie, dans ce livre de Matthieu, maintenant, chapitre 17, il est question que d'un Élie qui va venir rétablir toutes choses. Maintenant, le Seigneur parle à cette instance alors que Jean-Baptiste est mort. Écoutons très attentivement encore. Matthieu, chapitre 17, rentrons-y. Matthieu, chapitre 17. Regardez encore la question au verset 9. Verset 9 est dit, je vais lire maintenant, je crois que vous me suivez là. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlait à personne. Je crois que tout le monde y est là, quelqu'un peut ouvrir encore sa Bible. Nous sommes dans Matthieu chapitre 17, tout le monde y est. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlait à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Maintenant, écoutez encore la question des disciples. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement.
Donc ils attendaient. C'est pour ça que quand tous ces décomptes-là ne sont pas bien faits, les gens seront en train d'attendre quelque chose alors que la manifestation a déjà eu lieu. Maintenant, il répondit, écoutez bien, écoutez la façon dont Jésus répond. Il est vrai qu'Élie doit venir. Vous avez vu cela? Vous avez vu, n'est-ce pas? Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. La façon que le Seigneur Jésus a répondu, il n'est pas de répondre à leurs questions. Normalement, il parle dans le sens biblique. Normalement, puisque si vous lisez depuis chapitre 11 et chapitre 14, vous allez voir que la tête de Jean-Baptiste a été déjà coupée. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Ici, nous sommes au chapitre 17. Jean-Baptiste est déjà mort et sa tête est coupée. Maintenant, vous voyez la façon que le Seigneur Jésus le dit ici. Regardez, versets 11 et 12 sont deux choses différentes. Il parle de deux événements différents. Ici, il dit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Il ne dit pas qu'Élie devait venir pour rétablir toutes choses. Il dit qu'il doit venir. Or, il dit comme ça alors que Jean-Baptiste qui était sur place était déjà mort. Normalement, si le verset 11 se référait à Jean-Baptiste, il dit que normalement, Élie devrait venir pour rétablir toutes choses. Il dit qu'il doit venir. Par ce mot-là, il vient de rétablir le nouveau ministère de Jean-Baptiste, d'Élie qui doit encore venir. C'est pour ça qu'il a plusieurs fonctions. Et tu as bien fait de bien repérer en Élisée, Jean-Baptiste. Et là, tu as sauté, tu es allé avec le témoin de Apocalypse chapitre 11. Mais ici, le verset 11 de Matthieu 17 signifie exactement qu'il y a un ministère encore que Élie doit faire. Et regarde maintenant, verset 11 dit, il répondit, il est vrai. Donc, ça veut dire qu'il dit que les juifs, les scribes, ont raison de dire qu'Élie doit venir premièrement. Donc, il doit venir et rétablir toutes choses. Donc, cette fonction d'Élie est différente de ce que Jean-Baptiste fait. Parce que Jean-Baptiste ne vient pas pour rétablir toutes choses. Il vient pour crier dans le désert afin d'aplanir les différents modes que les doctrines avaient fait dans le cœur des gens pour que les gens soient disposés à rétablir, à rétablir. Mais maintenant, regarde le verset 12, il dit, « Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Donc ici, là, maintenant, il parle de Jean-Baptiste. Verset 13 dit, « Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. » Amen. Donc, frère Méchel, dans ta décompte, voilà ce que le verset 11 que tu as oublié. Le verset 11 montre l'établissement de notre ministère de Jean-Baptiste. Maintenant, lisons encore quelque chose dans deux passages là. Prenons le livre de Malachie et ouvrons en parallèle avec Luc. Que le Seigneur vous bénisse. Maroc dans la sainteté, bonjour. 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 Malachie chapitre. Je crois que c'est le chapitre. Bon, on ne parle pas des dîmes là. Hein. Prenons le Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3 d'abord. Vous y êtes? Le verset 1. Si quelqu'un y est, il pourra lire. Voici le messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple. Et le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. Voilà. Donc, vous voyez, effectivement, le verset 1 du chapitre 3 parle là, vêtement du ministère des Jean-Baptiste qui est censé préparer le chemin, n'est-ce pas, frère? Il dit ici que c'est dans ce ministère, c'est le messager qui vient devant lui. Le messager marche devant la face de celui qui vient de parler. Et il prépare le chemin. Et la Bible déclare, et soudain, après qu'il l'aurait préparé, quand il quitte la scène, la personne qu'on cherche souvent dans le temple, là, le Dieu qui est esprit qu'on cherche dans le temple, entrera dans son temple. Maintenant, au chapitre 4, versets 4, 5 et 6. Ah, on va lire là, c'est là, on va épiloguer un peu plus. Nous allons ouvrir en parallèle avec Luc chapitre 1. On va voir quelque chose. Allons-y, mon frère. Lisons. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai et le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Voilà. Maintenant, on va travailler là-dessus. Ouvrez le livre de Marc au chapitre 9. Lisons les versets 10, 11 et 12.
Ce livre de Marc, chapitre 9, fait référence de ce qu'on a lu tout à l'heure dans le livre de Matthieu, chapitre 17, à partir du verset 6 là. On va lire là, et là-bas, c'est dit de façon explicite. De façon explicite. Marc, chapitre 9, verset 10, 11 et 12. Jusqu'à 13 même, hein. J'espère que si on lit dans la version de Linda, il n'y a pas frère qui est dedans là. Mais frère, vous voyez effectivement le danger de ces choses-là. Le frère Joben, bonjour et bienvenue. Vous voyez que si on ne prête pas attention et que les temps même... Oui. Après l'enseignement sur Maraude de la sainteté, comme je te vois là, je suis content, je vais te prendre, on va causer, parce que le Seigneur fait des grandes choses. Alors, ce qui sont dit, c'est, si vous regardez très attentivement dans la Bible, si quelqu'un veut essayer de diluer la Bible pour, dans l'optique, de, selon les intentions qui sont derrière, qu'on comprenne bien mieux la Bible, en changeant le temps des verbes, il suffit seulement d'essayer de changer le temps des verbes ici, en pensant que Jésus a dû faire, attends, on a fait l'erreur en mettant le temps des verbes dans le futur, et qu'on fausse toutes les données bibliques. Vous savez ça, n'est-ce pas, frère? Parce que dans ce livre-ci, dans Matthieu chapitre 17 que nous avons lu là, s'il arrivait qu'on corrigeait le verset où Jésus dit, il est vrai que Élie doit venir. Et on dit que non, il est vrai que Élie est venu. Et on change de voix en être là, à cet instant-là, on a faussé la donnée. Alors, Marc chapitre 9, allons-y frère. À partir du verset 10. Hein? 10, 11, 12 et 13. Il retire cette parole et demanda entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Les disciples firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Stop. Et pourquoi est-il écrit Frère, n'allons pas vite. Tu vas vite, on n'a pas saisi. C'est ce que le Seigneur dit. Regardez bien, les disciples posent la question. Il dit bien, ça fait référence à ce que nous avons lu tout à l'heure dans Matthieu chapitre 17. Les disciples posent la question dans la version, dans le volet de Matthieu, de Marc. Les disciples posent la question, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et Jésus leur répond là-bas au verset 11, au verset 12. La Bible déclare, il leur répondit, Élie viendra premièrement. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a un problème ici parce que Jésus est déjà sur la scène. Jésus est allé de travail déjà. Et on lui pose là. Il est allé d'annoncer même sa mort et sa résurrection à Jérusalem, là, par la montagne des Prophètes. Parce qu'il a parlé de ressusciter des morts. Quand vous serez ressuscité des morts, il dit gardez ces paroles-là, ne dites à personne ce qu'il ressuscite des morts. Et là, Jésus en a parlé de Élie doit venir, viendra. Élie viendra, premièrement, rétablir toutes choses. Et c'est ce qu'on va regarder dans Malachie maintenant. Toutes choses. Allons-y maintenant, frère. Les disciples firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous pose la question maintenant, vous qui m'écoutez. Et je lance maintenant cette question-ci, que ça vous pousse dans la recherche. Le dernier volet du verset 13 dit, selon ce qui est écrit de lui. La Bible nous dit là, que c'est Jésus qui a sorti ces paroles de sa bouche. Et cette Bible nous fait référence de la souffrance de Jean-Baptiste. Alors je vous invite dans la Bible, à aller regarder dans la Bible ce qui était prévu sur le Élie qui devait venir pour préparer le cœur des pères aux enfants. Avant que le Seigneur vienne prendre ce cœur-là. Donc Jésus dit que c'était prévu quelque chose qu'on le traite comme ça. Que c'est écrit. C'est ce qu'il a dit là dans le verset 13, le dernier volet. Il dit ils l'ont traité selon qu'ils ont volé, selon qu'il est écrit de lui aussi. Et donc je vous donne donc le devoir d'aller chercher dans les saintes écritures ce qui était prévu qui arriverait sur Élie le prophète. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, rentrons dans Malachie chapitre 4. J'espère que vous avez suivi la question. Malachie chapitre 4 maintenant. Et on va prendre en parallèle cette fois-ci avec Luc chapitre 1, verset 17 et suivant. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse.
Le frère Meshi, tu lis versets 4, 5 et 6 encore. Souvenez-vous de la loi de Moïse, serviteur, auquel j'ai prescrit et honoré pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie et le prophète. Le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Oui. Il ramènera le cœur des pères à leurs des enfants à leur père. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Il y a un problème encore ici. Vous voyez effectivement dans ce passage-ci, c'est Élie apparaît avant le grand jour. Vous voyez ça? Alors que Jésus n'est pas venu pour le grand jour, pour le jugement. Donc, ouais, effectivement, avant que le Messie ne se manifeste, quelqu'un, Élie, est venu pour préparer son chemin avant qu'il entre en scène. Et ici, la Bible nous fait état donc, de ce Élie qui va venir. Donc, et il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Donc, ouais, effectivement, avant que le grand jour n'arrive, il y a un Élie qui se présente et la loi de Moïse doit être maintenue. N'est-ce pas, mon frère? Il a dit, souvenez-vous de la loi de Moïse qui est presque à Israël pour tout Israël, à Horeb. Donc, il en a parlé à Israël de façon précise que, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, la loi de Moïse doit être respectée. Et vous voyez effectivement que si le temple d'Al-Aqsa là-bas, le temple sera bâti là-bas et les sacrifices seront encore offerts avant que ce jour-là n'arrive, n'est-ce pas mes frères? Donc vous voyez effectivement qu'ici, il y a encore un problème. Verset 5 encore, qu'est-ce que ça dit? Il dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. Donc, là, une promesse est venue ici, est donnée ici par rapport avant le jour, le grand jour de l'Éternel, dont Esophonie, Nahum et tous les autres prophètes parlent. Avant ce jour, apparaîtra quoi? Un Élie là-bas, avec cette fois-ci la loi de Moïse, avec lui, c'est-à-dire avec Moïse à côté de lui, pour pouvoir les rétablir dans leur place. Mais maintenant, la mission de cet Élie là, maintenant, comme c'est le même esprit, est contenue ici au verset 6. Qu'est-ce qu'on dit au verset 6, mon frère? Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leur père. Oui. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc, vous voyez effectivement qu'il ne parle pas de frapper le monde d'interdit, mais le pays d'interdit. Là, maintenant, il est question de deux volets encore dans cette prophétie-ci. Il dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et puis, le volet suivant dit, et le cœur des enfants à leur père. Il y a un problème ici. On ne peut pas simultanément remettre le cœur des pères aux enfants, le cœur des enfants au père, par la même personne, dans la même prophétie. Donc, c'est deux prophéties disjointes, n'est-ce pas? Je ne sais pas si les autres sont de m'entendre ou bien on sait de quoi ils sont de parler même depuis ici. Le frère Francis, vous m'entendez, n'est-ce pas? La seule... On t'écoute très bien. Moi, je t'écoute, frère Gino. J'attends qu'on arrive à Luc 1, là. Au verset 17, là. Parce que je ne comprends pas vraiment. Oui, puisque tu as... Allons-y donc directement, allons-y. Lis mon cher, lis le bon Saint-Nassourou. Allons-y, lis le Saint-Luc chapitre 1, verset 17 dont tu as introduit. Luc 1, verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour le cœur de père vers les enfants. Hein? Et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple. Amen. Maintenant, toi qui as lu là, je te pose la question. Qui en a de prononcer cette phrase-ci dans ce livre de Luc? Qui prononce la phrase? C'est le Seigneur. Tu es sûr, mon frère? Il faut bien vérifier. Qui prononce? C'est Zacharie. C'est Zacharie. Je pense que c'est Zacharie. C'est Zacharie. Mais peut prophétiser. Voilà. Ouais. Mais avant que Zacharie ne parle, on dit que quelque chose parce que c'est là, sa bouche s'ouvre là depuis plus de 9 mois, n'est-ce pas? Que sa bouche était fermée. N'est-ce pas? Mais donc, on peut dire ici, sans risque de se tromper, que qui en est de parler en réalité? Le Saint-Esprit. Voilà. Et le Saint-Esprit. Alors maintenant, le Saint-Esprit qui parle au prophète, au travers du sacrificateur Zacharie, n'est-il pas le même Saint-Esprit qui a inspiré les Saintes Écritures jusqu'alors? Voilà. Maintenant, si vous lisez dans Luc chapitre 1, dans verset 17 et Malachie chapitre 4, verset 6, vous allez remarquer que le Saint-Esprit a seulement appliqué le premier volet du chapitre de verset 6 à Jean-Baptiste, pas le deuxième volet. C'est ce que vous devez remarquer là maintenant.
Vous allez aller, vous allez, vous allez, vous êtes allé toucher les situations compliquées aujourd'hui. C'est Frère Magique qui a amené ça. Mon cher Nassou, tu as remarqué maintenant le verset 17 dans le là que tu as lu? Parce qu'il y a un enseignement où tu as parlé justement de ce passage. Je n'ai pas bien saisi. Maintenant, je n'ai pas compris. Parce que quand il faut une explication. Pardon? Non, c'est l'occasion maintenant. Parce que tu es en direct là maintenant. L'occasion maintenant de bien saisir. Déjà, tu as, en comparant le verset 17 au chapitre 4, verset 6 de Malachie, tu as remarqué que c'est le premier volet du verset 4, du verset 6 de Malachie 4 qui est répliqué et appliqué à Jean-Baptiste le prophète. Oui. Selon toi, pourquoi? Oui, c'est ça, c'est ça. Pourquoi? Selon moi, c'est pour préparer la venue du Seigneur, la seconde venue du Seigneur. Non, suis bien la question. Dans le verset 6 du chapitre 4 de Malachie, il est question de l'esprit d'Élie qui va préparer le cœur, qui va ramener le cœur des. C'est dit clairement là-bas, des pères à leurs enfants, et le volet souvent dit des enfants à leur père. Mais quand le Saint-Esprit parle au travers du prophète Zacharie, du sacrificateur Zacharie, il ne dit pas, il ne cite pas les deux volets. Il cite seulement le premier volet en appliquant à Jean-Baptiste comme l'esprit d'Élie de ce moment-là. Pourquoi le deuxième volet ne lui est pas appliqué? Est-ce que dans sa terminologie, dans son ministère, il a effectivement amené le cœur des pères vers les enfants, Jean-Baptiste? Non, non, non. Il a plutôt créé la confusion. Il a toujours créé la confusion, hein. Donc Jean-Baptiste est venu créer des confusions. Oui, mais Jean-Baptiste est venu amener le baptême de la repentance. Non, ça c'est une introduction de quelque chose de son. Suis attentivement ce que ça nous dit. Il dit, Malachie chapitre 4, je ne sais pas si tu m'entends très attentivement. Malachie chapitre 4 nous parle à partir du verset 1, il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël. Des préceptes et des ordonnances. Puis il dit verset 4, verset 5, voici je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Verset 6 dit il est mis ici pour Élie qui est censé être envoyé. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et le volet suivant dit et le cœur des enfants à leurs pères, de peur qu'ils ne viennent frapper le pays d'interdit. J'ai dit donc, Zacharie dit ici, rempli du Saint-Esprit, commençant à prophétiser. Au verset 17 de Luc chapitre 1, il dit plutôt, parlant de l'enfant Jean-Baptiste, il dit qu'il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et puis il parle maintenant des rebelles, des cœurs des rebelles à leur, ainsi de suite, à leur Seigneur. Quand il dit, en appliquant le premier volet, la question que je pose, c'est est-ce que Jean-Baptiste a effectivement ramené le cœur des pères à leurs enfants? Ou mieux, qu'est-ce que ça veut dire, ramener le cœur des pères aux enfants, n'est-ce pas? Bon, si je comprends. Ça veut dire que la prophétie du père de Zacharie sur son fils, c'est justement pour ramener le cœur des pères aux enfants et pour appliquer la prophétie ici. Bon, disons que la prophétie s'est accomplie. Déjà, cette prophétie s'est accomplie. Oui. Bon, c'est de lui qu'on est en train de parler, si je comprends. La question, ce qu'il veut d'abord que vous remarquez, c'est que la prophétie dit deux volets. Le volet des pères, de cœur des pères aux enfants et le volet de cœur des enfants au père. N'est-ce pas? C'est ce que la prophétie dit au verset 6. Tu m'entends, mon cher? Mais pour Jean-Baptiste, c'est un seul volet qui lui a appliqué. C'est ça le problème. C'est-à-dire, ce n'est pas la même personne qui ramène le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants au père. Ce n'est pas la même personne. Mais c'est le même esprit qui le fera, mais dans des dispensations différentes. Je ne sais pas maintenant que vous avez saisi. Bon, le frère, mais je sais pas, essaie de dire ça peut-être en mon langage, peut-être déjà ne comprend pas. Essaie d'expliquer ce que je viens de dire, voir. Donc, par rapport à ça, dans Malachie chapitre 4, il y a une double fonction de cette mission de Élie. Donc, il va ramener le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Donc, cette mission ne peut pas se faire simultanément. Donc, dans Luc chapitre 1, au verset 17, quand l'ange entre de parler, il dit que l'Élie, quand Jean-Baptiste vient avec la puissance d'Élie, lui, il fera que la première partie. Donc, il ramènera que le cœur de père
à l'ange enfoncé. Pourquoi la deuxième fonction ne lui est pas attribuée? Et l'ange complète là-bas et les rebelle à la sagesse de Jésus. Donc, on efface la deuxième partie, on lui attribue que la première. Maintenant, la question, c'est de savoir la deuxième là. Ça, à quel moment ça va se passer ou bien ça va se réaliser? La deuxième fonction, c'est à quel moment? Ah, d'accord. C'est bien compris maintenant, le frère Nassourou. Il était question. Voilà, que Dieu t'ait béni. Il était question d'énumérer et de savoir les différentes venues de manifestation de l'esprit d'Élie dans les Saintes Écritures. Donc, et là, vous avez remarqué, toi, on a lu Matthieu chapitre 17, le verset 11, et Marc chapitre 9, le verset 10, là. Et on a vu effectivement que Jésus a annoncé cela. Et vous voyez effectivement que ici ça collabore avec ce livre de Matthieu, chapitre de Marc, comment ça s'appelle, Malachie, là. Parce que le fait que la Bible introduit un Élie encore de cette façon-ci, il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse que j'ai prescrit à Israël, en Horeb pour toute Israël. Donc ça dit qu'il y a un rétablissement de toute chose qui doit être fait sur la terre. Alors dans le livre des Actes des Apôtres, regardez très attentivement. Gardez le mot, le groupe de mots, rétablit toute chose, et allons dans Actes des Apôtres chapitre 3. Vous y êtes, frère? Oui. Le verset 19 et 20. C'est quelle personne? Acte des Apôtres, chapitre 3. Acte 3, à partir du verset 19 à 20, c'est ça? Oui. Acte 3, à partir du verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous Zad était destiné Jésus-Christ. Amen. C'est pas terminé. Continuons, frère. Et qu'il. Qui restera. Oui, verset 21. Oui. Que le ciel soit et doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Amen. Donc, à partir d'ici. Amen. Ça vient mettre la chose au clair. L'apôtre Pierre parle ici, alors que le Seigneur Jésus-Christ est mort, effectivement ressuscité, il est au ciel depuis. Il dit, repentez-vous donc pour que l'état de renforcement vienne de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous est destiné. Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a anciennement parlé par la bouche de des prophètes. Donc on voit effectivement que le temps de rétablissement de toutes choses n'est pas encore arrivé, n'est-ce pas mes chers frères? Or, quand Jésus était sur la terre, il a dit qu'il est vrai que Élie doit venir. Élie viendra rétablir toutes choses. Il doit venir, c'est devant. Donc, Christ meurt, il va aussi, il ressuscite, il va aussi, il s'assoit. Les apôtres prêchent toujours en disant qu'il y a un temps de rétablissement qui est en train d'arriver sur la terre. Les choses vont être restaurées. Il y aura des chemins qui vont être restaurés. Rétablissement de toutes choses. J'aurais souhaité parler du volet de ce rétablissement-ci pour l'Église et le volet maintenant pour Israël. Parce que dans Malachie chapitre 3, chapitre 4 là, il est question spécifiquement d'Israël. Parce que la fin des temps va être marquée par la visitation de la puissance du Saint-Esprit en Israël. Et toutes les prophéties qui y sont. Ah mon Dieu, que Dieu vraiment soit loué par rapport à cela. Donc il y a un temps de rétablissement. Je voulais qu'on garde ce groupe de mots qu'on a lu dans dans Marc chapitre 9. Et dans Matthieu chapitre 17, où le Seigneur a dit, il est vrai que Élie doit venir pour rétablir toutes choses. Et c'est l'apôtre Pierre parle encore de cela, que Dieu a déjà parlé ça par les prophètes. Donc il y a un temps marqué par les prophètes que toutes choses devaient être rétablies. Que Dieu vous bénisse donc, que Dieu vous bénisse. Des questions? La sœur Elisabeth voulait parler que, oui mon frère, elle voulait parler. C'est pas, quand la sœur Elisabeth parle, sa connexion s'entrecoupe. Donc si tu nous entends bien, si c'est possible de taper la question, tu tapes la question. À moins que tu parles, si les gens peuvent écouter, on entend quoi.
Elle nous entend. Dans cette désordre, tu n'entends. Si tu entends, tu bouges la main comme ça. C'est comme si ton image est figée. Elle ne nous entend pas. La seule Linda, tu es là. Bouge la main, je vois. Ah, ben ça veut dire que c'est ça, c'est sa vidéo qui est calée alors. Le frère, mais j'ai des questions encore. La seule Linda, des questions. Frère Meshi, ton micro doit être fermé, je crois bien. Oui, je disais à la soeur Elisabeth, je pense que le micro peut-être doit être fermé. Vous la voyez, je ne la vois même pas bouger, elle est fixe là, donc son image doit être figée. Quoi que sa connexion. Elle bouge. Elle bouge là. Oui, c'est chez moi qui a répondu. Oui, bien sûr. Non, son image est figée. Son image est figée chez moi. Donc, la seule, jamais, si tu nous entends, quand ça fait comme ça, il faut te déconnecter, tu reconnectes encore, ça va aller. Si tu nous entends. Le frère Meshi, des questions. La seule Linda, des questions. Le frère Nassourou, des questions. Mais j'aimerais poser la question. Le frère Nassourou, ton nom Nassourou là me pose problème. Ou bien je me rends curieux. Nassourou Assiri. Non, c'est. Bon. En fait, j'étais musulman, je suis un converti, quoi. Oui. Oui. Pourquoi tu as fait la religion musulmane? Dis-nous toi aussi. Bon, qu'est-ce que je dis? Bon, je peux dire que tout simplement mon cœur était disposé pour toutes choses jusqu'à ce que tu connaisses le Seigneur. Le Seigneur avait enrichissé toujours mon cœur de ce côté de l'islam et des autres religions là. Mais quand j'ai connu la vérité, c'était entrer une fois, j'ai du mal même à sortir, quoi. Je veux plutôt entrer avec tout le corps et tout l'âme. Pourtant, quand j'étais musulman, je sentais toujours quelque chose qui manquait à moi. Bon, il y avait toujours quelque chose comme si ça me chassait seulement à chaque fois. Je fais le genre de rebelle. Tout ce qu'on pouvait faire qui pouvait nous amener dans l'islam. Pourtant, je voulais bien connaître Dieu quand j'essaie de voir toute ma jeunesse, mais quand il fallait pratiquer, devenir rebelle, c'est pas. Mais aujourd'hui, je suis en train de comprendre que, bon, c'est comme si le Seigneur était en train de nous amener de beaucoup de choses. En quelque sorte, c'est un peu. Oui, tu savais réciter des versets coraniques en arabe? Bon, je me débrouillais. Je ne peux pas quand même dire que j'étais là, mais je priais quand même. Je faisais mes 4, mes 5 sourates par jour. Bon, quand il arrivait de faire des finis, bon, on faisait quand même ce qu'on peut faire. Essaye de nous faire ces choses, cette démonstration, parce que quand les arabes, quand les musulmans entendent comme ça, ils disent que non, c'est quelqu'un qu'on a monté. Que c'est sûr que le frère Junior l'a monté des 10 là, il a dit ça en 9 qu'il lui dit là. Bon, essaie de nous prouver que tu étais musulman. Ouais. Comment on peut savoir que tu étais vraiment musulman? Bon, comment savoir que j'étais musulman? Je suis né d'abord d'une famille, mon papa était musulman, c'est un moment qui a été esclavisé à cause de mon papa. Bon, mon père était musulman. Bon, ce qui fait automatiquement que je suis musulman. Bon, nous ne sommes musulmans. Bon, le nom que le papa nous a donné, qu'il m'a donné, c'est Nassourou. Bon, ça, c'est un nom musulman. Et tout le monde dans la famille a le nom musulman. Et je ne suis pas le seul qui s'est converti. J'ai quand même un frère qui était converti depuis bon. Pour le moment, je ne vais pas encore entrer en discussion avec lui parce qu'il est dans les églises où ce sont les femmes qui sont prophétesses là. Bon. Entre parenthèses, ça c'est encore une autre histoire. Oui. Bon. comment est donc venue ta conversion? Bon. Comment, à quel moment et où? À quel moment et où? Bon. Et la troisième question, quelle est la réaction de tes parents, de tes proches à l'issue de ta position chrétienne maintenant? Bon. Ça c'est encore une très bonne question parce que c'est lui qui va répondre à la toute première question. Parce que dans notre famille, le papa n'est pas quelqu'un de très dictateur. Bon, ils ont quand même laissé la liberté à chacun de choisir sa religion. Bon, tu es un peu le genre de parents là. Tu peux partir où tu veux, ça ne nous dérange pas. Bon, ce qui fait que quand on était petit, on marchait forcément avec nos frères. Bon, disons les chrétiens. Ce qui fait que constamment, même pour rien, pour les autres, pour chercher les filles, je me retrouvais dans les bâtiments, l'église catholique, tout ça et consorts. Donc, on partait chercher les jeunes filles catholiques. Souvent... Vous
partez faire les rendez-vous là-bas. En quelque sorte. Hey, oui, oui, oui. La sourou. Bon, je pense que je peux dire que c'est à partir de ça que bon. Et puis, j'avais senti quelque chose en moi de dire la louange. Je peux même dire que là, même c'est qui a changé tout carrément la louange. Parce que j'ai trouvé ce plaisir d'adorer avant de prier. Pourtant, dans l'islam, il n'y a pas ça. Bon, je peux dire que c'est l'une des choses qui m'a même fait tourner carrément dans le christianisme à cause de l'adoration. Oui. C'est ce qui faisait que, des fois, je partais souvent dans les bâtiments. Voilà, c'est même ça qui m'a fait carrément changer de côté. Maintenant, la réaction des parents, bon, comme les parents nous ont habitués à... nous a donné un peu de liberté, ce qui fait que, bon, tout le monde n'a pas, mes parents, la maman, ça ne lui dérange pas parce qu'elle est sortie d'une famille protestante, et le papa, bon, il m'a dit que c'est ma vie, que quand mon frère Ousmane et puis mon petit frère Bakari, et j'ai aussi ma soeur Alima, tout, bon, disons, les trois là, ce sont les trois qui sont un peu, qui disent que nous sommes un peu fous, quoi, nous qui sommes partis dans le christianisme, nous sommes fous, nous sommes carrément d'ailleurs, bien sûr d'ailleurs. Bon, les réactions, il n'y a que ça. Récemment j'ai envoyé l'église qui est à Yaoundé, près de la maman. Je connais quand récemment, c'est hier que je t'ai fait, le frère la gloire. Il m'a fait comprendre que la maman même était très surpris que je suis carrément parti dans le christianisme. Il m'a parlé de ça. Bon, ça lui a surpris que, étant ici au Maroc, dans un pays arabe, elle s'attendait certainement que je sois même un peu carrément dans la pratique de l'islam. Bon, mais elle était surprise carrément que bon, je viens plutôt lui parler du Seigneur Jésus. Bon. Donc, quand je l'appelle, c'est plutôt de ça que je lui parle. Bon, il m'a parlé de ça, elle était surprise, elle s'attendait. Bon. Elle pouvait s'attendre que peut-être, bon, mon frère là, surtout, le deuxième là, qui est dans ce style bâtiment là. Mais moi, bon, parce que. C'est parce que en quelque sorte, quand j'étais au pays, bon, j'aimais l'islam, mais je ne pratiquais pas, j'avais du mal à pratiquer, mais on pouvait me voir comme quelqu'un de, un vrai musulman, quoi, je fais toujours, bon, comme là, dans la loi, disons quoi, je faisais des fois dans la loi, bon, c'est un peu ça, si je n'ai pas pratiqué. Le frère Francis, j'ai des questions à poser à le frère Nassourou. Non, bon, pas particulièrement. Je l'écoute, j'écoute surtout son témoignage. Peut-être, j'aurais souhaité qu'il donne un peu plus de détails sur comment est-ce que ça s'est véritablement passé, quel a été vraiment le déclic, à quel moment. De façon concrète, parce que là, il explique, par exemple, qu'il allait, déjà à l'époque, même en étant musulman, il allait avec certains chrétiens catholiques dans les différents lieux de rassemblement où les catholiques se rassemblent. Quel était vraiment le moment, quel moment de ta vie il a eu vraiment le déclic, il a senti que le Seigneur rencontrer et visiter son cœur. Quelles ont été les circonstances de cette rencontre véritable avec le Seigneur? Bon, je ne vais pas encore essayer de... C'est vrai quand même que je vais encore tourner au pot, mais je vais m'y expliquer. Bon, déjà, si vous êtes sans ignorer que dans notre pays, le Cameroun, même si tu es musulman, comment tu vas côtoyer les chrétiens, disons, en quelque sorte, tu vas côtoyer les chrétiens. Ce qui fait que tu ne peux pas vivre, c'est comme tu es un Yaoundé. Bon, tu es un Yaoundé. Bon. Donc, quand tu as grandi à Yaoundé, tu as l'attitude des gens de Yaoundé. Bon. Ce qui fait que si je ne te disais même pas que je suis musulman, ou bien si tu ne m'envoyais pas parler le Fulbe, tu ne pourrais pas connaître que je suis d'abord nordiste, pour que maintenant tu me vois peut-être en train de dire bien d'aller. Non. Parce que ma famille pratique bien l'islam. Mon grand frère, c'est le premier qui a duré, qui est dans le christianisme. Lui-même,
Même il était devenu, il gardait bien la moustache, il s'appliquait carrément au Coran. Bon, pour ne pas dire qu'il voulait sortir, il était dans les écoles là, bon, je ne sais pas comment, pour ne pas dire qu'il était imam, mais il s'appliquait carrément, mais lui, il a changé, mais moi, j'ai vécu avec lui, bon, je pratiquais, je priais, je faisais mes cinq prières par jour, comme je pouvais, je faisait tout ce qu'il fallait, parce que le papa pratique. Le papa pratique, les certains pratiques, mais comme vous pouvez savoir, on ne peut pas pratiquer totalement quand on a la vie du Cameroun. Bon, quand on est jeune Camerounais, c'est pas facile. Bon, on n'a pas dit qu'on est totalement dans la pratique, mais il y avait le désordre. Mais, bon, j'ai passé, bon, c'était déjà ce que je suis passé dans beaucoup de pays arabes. Bon, beaucoup de gens s'attendaient certainement que bon, ça allait plutôt m'arranger parce que j'étais au Tchad, je suis arrivé au Tchad, je priais constamment, je passais mon temps à la mosquée, je lisais le Coran, mais pas le Coran, pas en arabe parce que je ne maîtrise pas, mais je lisais en français. Et je lisais constamment, je priais, j'étais là jusqu'à l'année 2015, j'étais toujours dans l'islam. Bon. Jusqu'à ce que je rencontre une dame à Casa, une dame qui sortait du Cameroun. Elle venait souvent avec les marchandises normales de chenou là pour vendre. Bon, on l'accompagnait pour essayer de vendre son stock et pas à la fin, s'il y a quelque chose, elle nous donne, ça nous permet de jongler. Mais dans la voiture, elle a commencé à me parler du Seigneur. Bon, elle nous exhortait, nous a dit les jeunes, il faut qu'on arrête la vie quand même. Surtout, ça descend même plus au chauffeur. Parce que mon ami là, c'est lui qui conduisait. Bon. Mais moi, ça me touchait ces paroles. En fait, j'ai toujours trouvé plaisir. Je sais pas, il y avait comme cette attirance dans le christianisme. Comme je disais, moi, j'ai trouvé le plaisir, j'ai trouvé la raison que non. Normalement, si on veut prier Dieu, il faut qu'on soit à l'aise. Mais j'avais l'impression que l'islam, c'est quelque chose qui nous attache. C'est comme un système qui nous ferme. Mais Dieu ne peut pas être comme ça. Je me dis plus que Dieu ne peut pas être comme ça. Dieu ne peut pas nous enfermer. Dieu, quand même, il veut qu'on soit quand même libre. Bon, c'est pour ça que je mets là. J'avais un peu le cœur dans le christianisme, mais je ne peux pas. Parce que j'étais. Bon, je comprends, on dit qu'il ne forçait pas, il fallait attendre le moment où le Seigneur avait décidé. Jusqu'à ce que bon, cette femme me demande de confesser en donnant ma vie au Seigneur Jésus. Bon, j'ai donné, bon, comme on le dit, ce n'est pas comme ça que ça se passe, merci frère Junior. C'est comme ça que j'ai donné ma vie. J'étais à Casab, la maison où j'étais, bon. J'ai eu cette envie de commencer à lire la Bible. Je savais que c'était pas ma Bible, mais il y avait la Bible d'un grand frère là, indien. J'ai commencé à lire sa Bible. Je lisais, mais depuis ce jour, j'ai commencé à faire la prière parce que j'avais du mal à dormir. Bon, malgré tout ce que je pouvais faire dans l'islam, prier, faire ceci, jeûner, comme je pouvais faire, essayer de pratiquer, bon. Il n'y avait pas la paix, mais depuis l'histoire de cette femme, j'ai confessé pourquoi. C'est comme si j'avais déchargé mes fardeaux. J'avais déchargé mes fardeaux à quelqu'un. C'est-à-dire, j'avais prié. Je me souviens que j'avais prié sur le passé, je dormais sur le canapé. J'avais prié. C'est comme ça que bon. Depuis ce jour, j'ai commencé à dormir. Bon, je pouvais dormir comme ça, je me réveille le matin. Pourtant, avant, c'était comme si je portais toute la souffrance du monde. Je portais toute la souffrance du monde dans ma tête. Bon, j'étais trop en train de réfléchir, mais jusqu'à ce que, bon, à partir de cet instant-là, l'arrivée de cette femme-là, il y a eu un changement. Bon. Il n'y a pas eu un cas changement, mais il y a eu un changement. J'ai senti un changement dans ma vie. Et bon, j'ai tourné, je suis arrivé à Fès, bon, on était dans les bâtiments, même si attention, j'allais essayer à l'église de l'évangile. Jusqu'à là, bon, on essayait, j'essayais quand même de pratiquer, bon, j'ai eu même une Bible, mais jusqu'à là, on essayait de pratiquer, je suis arrivé à faire dans le désordre avec les amis là-bas,
Mais jusqu'à là, je ne peux pas dire que je t'ai converti. Je ne peux pas dire. Jusqu'à ce que, il a fallu que je rencontre Jobin ici. Il a fallu que je vienne ici à l'étranger. Je rencontre Jobin. C'est quand je maintenant je tue, quand je prends la Bible, sans parler de la Bible, de ce qu'il peut voir, c'est écrit, je comprends mieux, et dit, ah, mais c'est ça. Donc, c'est un trois jours, et puis que deux ou trois jours, sont allés dans les yeux de baptême, ça change tout, quoi. J'ai ressenti qu'il y a quelque chose qui a changé. Bon, moi, qu'est-ce que tu dis, bon? Parce que je sais pas, je me sens, en fait, pour ne pas tout comparer avec la religion, avec l'islam, non, on ne sait pas comparable, parce que non, c'est vraiment du tout que dans l'islam, il y a beaucoup de choses qui nous touchent la zone. Tu ne peux pas, parce que moi, j'ai toujours affaire à ça, je sais pas bien. Et puis, il y a certaines choses aussi, comme par exemple, le fait de, il faut toujours faire les ambitions. Mais c'est que Dieu peut, à tout moment, si tu te mets à te mettre à l'aise, tu gazes, il faut à tout moment que tu vas, il faut que tu fasses des ambitions. Donc, pour être en communion avec Dieu, il faut toujours que tu fasses des ambitions. C'est-à-dire, certains règlements qui sont dans l'islam que moi, et que l'autre, non. Je ne crois pas que Dieu l'a fait. Dans ta vie, tu peux faire tout ça. Donc, si, donc, si, pas si, si, ça, si, tu, ça, mais... si tu étais du temps de Mohamed, tu devrais lui dire quatre mots, quoi. Non, oui. Ouais. Parce que moi, je n'aime pas me sentir mal à l'aise dans quelque chose. Je ne pense pas que Dieu ne peut pas être comme ça. Le christianisme, le Dieu de la Bible n'est pas comme ça. Le christianisme n'est pas comme ça. Bon. C'est ce que je dis toujours aux musulmans que non, c'est pas. Bon. Bon, alors, ce que je connais encore, je dis, c'est sans. Je les accuse encore beaucoup. Mais... malgré le fait qu'ils essaient de tordre l'histoire, essaient de dire que la Bible est trafiquée en montrant, comme on vient de voir pour le cas de la Bible de Lindala, est-ce que ça ne te décourage pas de rentrer chez les Islam, puisqu'ils montrent que le Coran a été parfaitement gardé, pas un seul iota n'a été changé, mais la Bible a été changée plusieurs reprises, et avec raison, avec preuve à l'appui. Jusque-là, pourquoi tu ne quittes pas le christianisme pour rentrer là où c'est parfait? Bon, qu'est-ce que je vais dire à ça? Bon, l'islam, le Coran, bon, si ça écoute, si tu ne te montres pas ce qui est bon, tu ne vas pas connaître que ce que tu as de mal, c'est le mal que tu as, c'est que tu as le mal. Il faut bien que tu vois ce qui est bien et que tu compares. Donc, si quelque chose qui est mal, je ne peux pas savoir que ce qui est bien est bien. Et ce qui fait que je me débrouille à lui, le Coran, mais ce que je comprenais là, pour moi, c'était ça. Parce que je n'avais pas encore vu la lumière de l'autre côté. Bon, si tu me demandes, à ce moment, je ne pouvais pas encore. Mais maintenant, quand j'essaie de voir tout d'abord que le nom de la façon qu'on appelle Dieu en arabe, c'est pas la tradition qu'il faut. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses là qui sont pas là. Et de tout, quand tout retourner là-bas, c'est pas la vérité. Je peux pas retourner parce que c'est pas la vérité. Et plusieurs fois, j'ai confronté, bon, ici, quand je rencontre souvent certains Marocains qui me disent, tu es islam, il dit non. Il dit là, il répond que non, non. Il essaie, bon, toujours de vouloir me ramener à la maison, toujours que la Bible a été changée plusieurs fois. Que le Coran reste le même Coran. Ah bon, il amène les histoires que, bon, la Bible, que forcément, il prenait, bon, avant il prenait le cas des prêtres, que la Bible que le prêtre peut avoir et que le simple fidèle peut avoir était différent. Bon, c'est vrai qu'avant, quand il me disait ça, ça me dérangeait, mais aujourd'hui, je comprends, c'est toute l'histoire qui se passe dans les bâtiments. Bon, il y a toujours cette distinction-là. Mais, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je suis confronté à eux, moi, je fais tout simplement qu'on d'abord comprendre que non seulement, vous avez changé carrément tout l'Ancien Testament, beaucoup de choses que vous avez enlevées, vous ne pas entrer dans tous ces détails. Je vais faire comprendre que Allah, c'est pas le nom de Dieu en arabe. Dieu, monsieur, Dieu connaît.
ça devient encore toute une histoire. Bon, bon, il y a beaucoup de choses là que je ne sais pas comment expliquer, mais je ne peux pas retourner, impossible, je ne sais pas. Je ne vois rien qui peut me pousser à retourner. Donc tu es emprisonné en Christ maintenant? Non, je suis emprisonné, je n'ai du mal à manger. Et si les Arabes, si les musulmans se lèvent contre toi maintenant pour pouvoir en découdre avec toi que tu as apostasié, et tu sais effectivement que dans la tradition musulmane, quand quelqu'un apostasie, on doit le lapider. Est-ce que tu es prêt à subir cette lapidation-là pour le nom du Seigneur Jésus? Voilà, je suis prêt. Tu n'aimerais pas souffrir pour le Christ. Justement, j'étais couché, mais je disais toujours que bon. J'ai pensé à ça, j'ai pensé à ce que la question que tu me poses là. J'ai dit que c'est pas un problème, on va supporter, c'est rien. Surtout que la mort pour un chrétien sur la terre, c'est juste quelque chose de passage. Bon, et aussi par rapport à la divinité de Jésus, quelque chose qu'on ne reconnaît pas dans le Coran. Bon, avant, c'est quelque chose que bon. C'est vrai qu'avant, je ne cherchais pas à comprendre pourquoi Islam est bien le Messie. Mais bon, je ne cherchais pas à comprendre. Maintenant, s'il faut comparaître, je comprends que non. C'est autre chose qui sont en train de donner aux gens. Bon, c'est ça quoi. Mon frère Nassourou, quel est fondamentalement, parce que tu as parlé tout à l'heure dans ton adoration, l'adoration au Seigneur, quand tu cherchais le Seigneur, tu as dit ce qui t'a marqué du côté chrétien, c'était probablement les cantiques, parce que c'est comme s'il fallait que ton cœur loue le Seigneur avant de t'approcher de lui. Quel est fondamentalement le problème des musulmans dans l'adoration avec le Seigneur, leur façon d'adorer Dieu est ici? Qu'est-ce qui de cela de fondamentalement? Quel est le problème? Le problème que je peux dire par rapport à la communion entre le musulman, la communion avec Dieu, moi je suis contre eux, je suis contre l'islam parce que je trouve que c'est anormal que pour être en communion avec Dieu, il faut forcément que tu remplisses certains critères. Il faut faire les ablutions, c'est-à-dire sans parler de toutes ces impuretés qui sont là. Et tu ne peux pas aller, tu vas éliminer et puis, bon, peut-être tu vas aller quelque part, ça peut t'arriver de vouloir parler. C'est-à-dire, quand tu marches, souvent, quand tu parles, bon, parfois tu as envie de parler, si tu te mets peut-être à parler, ou si tu te mets à parler. Mais dans l'islam, normalement, ceci ne peut pas s'appliquer. Si tu n'es pas à l'instant là, tu ne sors pas des ablutions, bien tu n'as pas été dans les ablutions. Si tu as peut-être gazé bien, tu as peut-être touché quelque chose, tu as mangé bien, tu as allé aux toilettes, non. Forcément, il faut que tu te purifies d'abord. Je me dis tout que, mais pourquoi il faut toujours se purifier? Pourquoi? J'avais du mal, cette histoire de purification, moi, j'avais du mal à comprendre ça. Que pourquoi il faut toujours être comme ça avant d'aller auprès de Dieu? C'est vrai quand même que Dieu est quelqu'un de saint, mais je ne sais pas, mais moi j'avais ce problème avec eux. J'ai toujours ce problème. Et donc quand tu te réunis avec tes frères qui sont demeurés dans la religion musulmane, comment est la confrontation ou bien les échanges? Bon, comme il y a certains frères ici, j'ai un frère ici à... Comment ça s'appelle encore là? Ismaël et puis l'ami. Bon, quand ils viennent ici, on se met souvent à bavader. Ils aiment bien quand on parle de la religion. Mais il suffit seulement que je leur dise que moi, quand je commence à leur dire que Jésus-Christ, c'est Dieu, ça devient un problème. Ça devient un problème. Bon, avec que bon, ils peuvent accepter que tu. Oh, surtout, ils aiment par exemple la loi. C'est-à-dire, ils aiment parler de ce qui est parfait. Bon, tu appliques. Tu respectes tout ce qu'il faut respecter pour être bien aux yeux de Dieu. Alors que si c'est pour parler de ça, on n'a pas de problème. Mais quand il faut entrer en profondeur, surtout quand il faut parler de Jésus-Christ, voilà surtout le problème. Quand je suis confronté au musulman ici depuis un certain temps, dès que j'entre dans cette histoire de Jésus-Christ, ça devient autre chose. Il nie carrément la divinité de Jésus. Voilà le problème que j'ai avec un musulman aujourd'hui. Quand je leur dis que je sors de l'islam, ils me disent que je suis fou. Ils me disent que je suis fou. Donc,
Donc tu es prêt à mourir pour le Seigneur. Ouais. Je suis obligé, quoi. Je suis obligé. Maintenant, on est dedans. Hein. On est dedans. C'est pas... Le frère Méché, as-tu des questions à lui poser à notre frère? Non, pas particulièrement, parce que je connais déjà le témoignage. Okay. On a déjà parlé. Mmh. Vous en avez déjà parlé. Et la sœur Linda, toi également, mmh. tu es quand même éloignée de lui. As-tu des questions, ou bien la sœur Elisabeth? Ton micro est fermé. Allô, la sœur Linda. La sœur Linda, tu nous entends? Oh oui, je vous entends. Voilà, as-tu des questions à poser à notre l'ancien ami de Mohamed? Je crois que la sœur Linda a des problèmes à observer sa connexion. Je n'ai pas de problème, je crois que la sœur Elisabeth est en train de parler. Non, je crois que je la vois, son image ne bouge pas du tout. Vas-y, parle. Ah. Je voulais demander comment est-ce que, Frère Nazoui, comment est-ce que tu te sens, c'est-à-dire vis-à-vis le changement? Parce que moi, particulièrement, j'étais, comme on dit, entre chrétiens qui étaient chrétiens et catholiques. Mais je vois vraiment que je n'étais pas chrétien, ni encore plus disciple de Christ, encore moins. Donc, même si j'étais dans un logo chrétien. Donc, comment est-ce que tu ressens cette différence et comment est-ce que tu comprends cultiver une intimité pour une relation avec le Seigneur? Quel est en fait le fruit? Bon, c'est Linda. Bon. Pour ta question, là. L'intimité avec le Seigneur, c'est. Moi, l'intimité avec le Seigneur, maintenant, bon, c'est en train de. Bon, comme je suis dans mes débuts, mais vraiment tout va bien. L'intimité avec le Seigneur, je trouve que c'est en train de. C'est mieux, c'est 10 fois mieux, mais 1 million de fois mieux, mais que par exemple, quand j'étais dans l'islam. Parce qu'il y a une chose, c'est que pendant que j'étais dans l'islam, bon, prenons un peu, par exemple, le cas où, quand j'étais au pays, j'étais dans l'islam, bon, on sait que, bon, pendant la période de Ramadan, par exemple, nous sommes avec la famille, on mange en famille, la communion est là, mais sans blaguer, mais moi, je sais pas, j'avais toujours cette chose-là qui me poussait toujours à vouloir comprendre de mieux. À vouloir comprendre un peu ce qui se passait dans d'autres religions. Donc même quand malgré que je faisais mes prières, je priais comme je pouvais. Bon, je faisais mes rakats comme il fallait, mais je me sentais jamais quoi. Même quand il fallait le faire, bon, chaque rupture, mon esprit a toujours été rebelle, hein. Mon esprit a pas dit, mes frères ils peuvent s'asseoir comme ça, ils vont attendre ils vont finir toute la prière. Ils ont toujours été très disciplinés, moi, mon Dieu. Je sais pas, j'avais toujours un esprit à dire, quand il fallait amener l'application, il refuse. Mais si on me laissait un peu la liberté, je pouvais un peu me. C'est comme si le Dieu était moi, lui et moi, il n'existait pas. Je ne sais pas si peut-être c'était par rapport à la vie que je menais au Cameroun. Parce que même avec, bon, disons que bon, il y a un pays que j'ai beaucoup pratiqué, hein, quand j'étais au Tchad,
Parce que j'ai fait un compte comme 9 mois là-bas, j'ai beaucoup pratiqué. Je pratiquais même plus qu'au pays. Bon, imagine quand tu peux être à l'extérieur, bon, quand les choses sont difficiles, tu te donnes carrément à Dieu. Bon, j'ai pratiqué beaucoup. Et la mosquée était tout près par rapport peut-être au pays. Bon, la communion, je ne sentais pas comme s'il y avait quelque chose. Bon, les choses, il n'y avait pas grand changement. Hein. C'est comme si on était tout dans le monde. Il n'y avait pas grand changement. On dit, il n'y avait pas de différence, comme s'il était dans le monde. Oui, c'est vrai quand même qu'on était dans l'islam, on était toujours dans le monde. Mais parfois j'étais carrément dans le monde. Jusqu'à ce que, je me souviens, une fois, j'étais parti voir un grand frère là. Bon, je ne sais pas s'il était... Bon, il y avait un grand frère là, qui, bon, on l'appelait imam. J'ai oublié son nom, un frère nordiste là. Je suis parti, vous avez dit que lui a expliqué mon père, que comme tu vois, moi ça fait longtemps que je me prie de ça. S'il y a quelque chose à faire pour que je revienne. Il m'a dit que non, ça ne dérange pas. Reviens seulement, tu commences tes prières. Oui, j'ai vécu cette période là au Cameroun. Bon, j'étais carrément dans le monde, mais un moment, il m'a dit que non, il faut que quand même, il va pratiquer. Mais malgré tout ça, il n'y avait pas cette communion que je peux ressentir aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est quelque chose d'explicable, mais il n'y avait pas cette communion là. Ça n'existait pas. C'est comme si je n'étais. C'est comme s'il n'y avait pas, ce Dieu-là, je n'étais pas en communion avec lui. Bon, je ne sais pas aussi si c'était parce que, bon, je n'étais pas trop dans les écritures des coraniques, mais il y avait le Coran à la maison. Il y avait le Coran à la maison, enfin, tout cassé des versions, et il y avait même tout ce qu'on peut écouter. On priait, mais le cœur n'était pas là. On priait, le monde était là. C'est-à-dire, l'islam, pendant qu'on était dans l'islam, on était toujours dans le monde, mais moi, je ne sais pas. Le christianisme, je suis dans le christianisme, mais je ne peux pas être dans le monde. Je n'arrive même pas à être dans le monde. Si je veux même le dire, c'est comme si il y a quelque chose là qui est en train de me foutre dans la tête. Bon, je ne sais pas. C'est un peu ça. La communion, non. C'est différent. Je me sentais rien carrément de cette époque. Parce que même quand je... S'il fallait même que je prenne l'exemple sur ma famille, et là, quand parfois je suis en bas, tu as l'impression que ceux qui sont dans la religion, c'est comme s'ils sont même dans le monde, c'est même eux qui sont même plus dans le monde. Même si on se referme encore ceux qui sont ici, par exemple, ceux qui sont les Marocains ici, mais ceux qui sont là, ils se prétendent les musulmans, mais il faut voir plutôt ce qu'ils font. Mais par contre, que le Seigneur Jésus, quand on décide de le suivre, c'est pas quelque chose qu'on décide de retourner. Hein. C'est comme s'il y a un changement dans le cœur de l'homme qui se passe. C'est vas-y, répondez à ta question. Oui, très bien. D'accord. Voilà. Ah, mon frère, je vais te poser une question. Le Dieu de la Bible et le Dieu du Coran sont-ils les mêmes dieux? À la lumière des écritures, s'il faut comparaître à la lumière des écritures, c'est pas le même Dieu. C'est pas le même Dieu. Et de toute façon, bon, à chaque fois qu'on veut peut-être parler de Dieu dans le Coran, on se réfère un peu à la Bible, mais comme il y a un peu un changement, mais en quelque sorte, bon. Et tout en contredisant ce même Dieu là avec certains versets, certains sourates. Maintenant, les musulmans nous écoutent certainement et il y a des gens qui vont entendre cela. Qu'est-ce que tu allais dire comme message à tous tes amis musulmans ou bientôt dans le monde entier? Bon, je peux tout simplement dire aux musulmans, parce que quand je parle même des musulmans, je pense beaucoup plus à ma famille. Parce qu'ils sont nombreux qui sont encore dans l'islam, qui croient même que c'est vraiment la vérité. Bon, je peux tout simplement leur dire qu'il ne faut pas qu'on reste borné. Il faut bien qu'on soit curieux dans la vie. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement se limiter à une seule connaissance. C'est-à-dire, avant de toujours se figer dans le Coran, essaie de prendre la Bible, tu essaies de lire ce qui se passe là-bas. Parce que maintenant, de ta propre intelligence, tu ne pas dire de la volonté de Dieu, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce que je peux simplement dire. Parce que si elle dit directement que sortait d'islam, venait, non, c'est ça, c'est ce problème qui existe toujours. Moi, je peux tout simplement dire que
soyez curieux, cherchez à apprendre, cherchez à comprendre, ne vous limitez pas seulement sur ce qu'on vous donne. Voilà pourquoi quand j'étais souvent dans les bâtiments, j'avais toujours du mal à assimiler tout ce qu'on disait là-bas. Il fallait toujours, quand je rentre, ma tête trouvait toujours qu'il y a quelque chose qui manquait. Donc, c'est tout ce qu'il fallait dire. Redonner, soyez curieux, prenez, cherchez à apprendre, cherchez à savoir les autres on peut dire, les autres dieux ou bien les dieux des chrétiens. Pourquoi on les accuse comme ça? Pourquoi on dit qu'ils sont dans l'égarement? Et je voulais dire aussi qu'ils ne doivent pas, parce qu'il y a une chose. Si aujourd'hui, les chrétiens sont vus comme ils sont, c'est justement les gens des bâtiments là, ces gens là, ces loups affamés là. C'est justement qu'eux qui sont en train de salir l'image des chrétiens. Maintenant, mes anciens frères musulmans, ne regardez pas ceux des bâtiments, ne comparez pas les chrétiens de ce monde, les vrais chrétiens avec les chrétiens des églises catholiques ou bien des autres églises, non. Parce que ce n'est pas comme ça l'église, c'est pas comme ça l'église du Seigneur. Bon, ils nous ont montré une image, et ce qui fait que nous, quand on est dans l'islam, on croit que c'est comme ça. Pourtant, ce n'est même pas ça la vérité là-bas. Donc, en comparaison avec la vraie vérité du christianisme, on va voir qu'il y a un changement. Parce que si on regarde seulement ceux des bâtiments, parce qu'ils indexent beaucoup plus les catholiques. Si on regarde les catholiques, le catholicisme, non, il y a de quoi ils doivent accuser les chrétiens. Mais regardez, cherchez les vrais chrétiens, ceux qui vivent dans la vérité, qui respectent les écritures, et comparez cela avec le Coran. Vous allez voir, vous allez comprendre ce qui se cache. À moins que vos cœurs soient vraiment fermés, quoi. Que Dieu du cœur, comme dit la Bible, sont carrément fermés. Bon, c'est ce que peut dire mes frères. Bon, soyez curieux, cherchez à savoir ce qui se cache de l'autre côté. C'est comme ça, c'est ce qui amène. Et moi, je veux, ça fait partie de mon témoignage, parce que malgré que j'étais dans l'islam, j'étais toujours curieux à comprendre. Parce que je trouvais anormal que quand je suis assis comme ça, les gens veulent me parler d'un Dieu de la Bible, que on me dit Jésus a fait ceci, ceci s'est passé. J'ai tout que, mais déjà, si vous me parlez quelque chose que je ne connais pas, attendez, je vais lire la Bible, et puis maintenant, je vais, en fonction de ça, je vais vous répondre. Je pense que c'est une des choses qui m'a poussé aussi à me retrouver à être christianiste. Bon, et je ne regrette pas aujourd'hui. Je prends carrément, je sens que je suis en communion avec un Dieu, oui, qui parle de plusieurs manières. Et si certainement il ne me parle pas encore comme j'attends, c'est justement parce que je ne suis pas encore arrivé au stade où il attend. Et dans l'islam, la façon qu'on attend, s'attend que Dieu nous parle, c'est pas de cette manière. Bon, disons que dans l'islam, on ne s'attend même pas à ce que Dieu parle à l'homme. Bon. On veut tout simplement qu'il applique ce qui est écrit et il vit sa vie. L'islam, c'est un créateur éloigné qui n'a rien de compte à rendre avec ses créatures et dont les créatures lui doivent totalement soumission. Alors que la Bible parle de ce Dieu qui est en communion avec sa création. En quelque sorte, exactement, c'est même ça. En quelque sorte. En quelque sorte, parce que quand on regarde bien toute la lumière tout le Coran, c'est pas comme ça qu'il veut qu'on parle avec Dieu. Mais il veut, voilà pourquoi les musulmans cherchent tellement à montrer les actes qu'il fait. Pourtant, ce n'est pas ça qui sauve. Il veut seulement montrer les actes. On veut seulement l'islam, nous appelons le Dieu de l'islam. Il n'y a pas cette communion avec le Dieu de la Bible. Bon, voilà pourquoi ce n'est pas deux mêmes dieux. Et revenons vraiment, cherchons vraiment à savoir à quel est le vrai Dieu dans ce monde. Et cherchons à comprendre vraiment ce qui est. Parce que ne nous limitons pas seulement à ce qui est écrit. C'est-à-dire, parce qu'il y a des frères que quand tu dis carrément que Allah, c'est pas le nom de Dieu.
Le nom de Dieu en arabe, Dieu en arabe, veut dire Ilah, Ilah. Bon, le fait qu'ils ont seulement ajouté le Al pour dire Allah, ils ont collé ça, ils sont en train d'appeler déjà un autre Dieu. Maintenant, il faut chercher. Bon, d'autres, quand tu dis carrément ça, ils se fâchent carrément, ils ne cherchent même pas à savoir est-ce que ce que ce frère dit est vrai ou pas. Normalement, pour quelqu'un d'intelligent, il doit aller chercher à savoir. Et puis maintenant, allez, et quand tu vas voir, quand tu lis, on dit là, il là. On ne dit pas là, Allah. Ça montre d'abord que, et à chaque fois, quand tu regardes les traductions des choses, tu vas voir, tu dis qu'il y a un moment, on colle un moment, on ne sait pas pourquoi. Si c'est le même Dieu, ils vont dire que c'est la tradition, c'est pas la tradition. C'est parce que les juifs sont fermés, on refuse de comprendre. Aujourd'hui, il y a des musulmans qui connaissent. Mais bon, il y a des musulmans qui connaissent. Et ça leur pousse même pas pratiquer à vraiment être cliché. Bon. C'est qu'on dit, et maintenant, à eux de juger. Là, maintenant, ça ne serait pas quelqu'un qui va l'amener. Ça serait d'abord sa curiosité, bien son intérêt. Et puis maintenant, Dieu va incliner son cœur en fonction de ce qu'il veut. Parce que si tu te limites seulement à ce qui est écrit, tu vas te limiter à ce qu'on va, à ce qu'on va te donner. Et tu vas vivre avec, tu vas gagner ce que tu as mérité là-bas. Donc, le fait, le simple fait, moi, avant, comme j'ai expliqué le cas qui s'était passé dans cette voiture, même avant, quand j'étais cligné dans la Bible, non, ce n'est pas ça qui m'a fait. Je n'étais pas encore quitté dans l'islam. Non, je n'étais pas encore quitté dans l'islam. Loin de ça. Mais, le temps où Dieu avait voulu que je quitte et le temps que Dieu avait voulu que je quitte et puis je suis tombé, j'ai bien compris les écritures. Avant, je ne comprenais pas encore les écritures, mais je lisais et puis je tentais de comparer. Quand on compare, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas normales. Et par exemple, il y a aussi une chose qui va résulter surtout mes soeurs, les filles musulmanes, nos soeurs musulmanes qui sont prisonniers dans cette histoire d'islam là, nos soeurs là. Donc, le Dieu, le vrai Dieu, il a créé pour que la communion avec lui ne se vienne pas. Et l'islam fait de telle manière que si une femme est dans certaines conditions, elle ne peut pas être en communion avec Dieu. Ça l'éloigne carrément de Dieu. Et ce qui n'est pas normal à mes yeux. Et le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui permet la communion avec lui en tout temps. Parce que c'est ça. Parce que ce n'est pas les actes bien, ce n'est pas notre corps, notre état qui empêche quelque chose. Non. Oui. Donc, nos soeurs, ne vous contentez pas aussi, soyez curieux, c'est ça à savoir. On parle beaucoup d'impureté du côté des femmes. Ce qui fait qu'une femme, elle va rester là, elle a ses problèmes. Si elle est dans son impureté, qu'elle a ses problèmes, qu'elle veut s'adresser à Dieu, elle ne peut pas. Pourtant, le Dieu de la Bible n'est pas ainsi. Bon, on a l'impression que le Dieu du Coran, c'est un Dieu dictateur, en quelque sorte. Il est dictateur même. Oui, je ne voulais pas dire ça, mais c'est un Dieu dictateur. Tu as bien trouvé l'attribut de Dieu, Allah. Donc, c'est un Dieu dictateur. Donc, Allah est un Dieu dictateur. Non, c'est un Dieu dictateur. Oui. Le frère Meshi, pourquoi tu ris? Non, quand il a dit dictateur, j'ai dit juste c'est un président africain. Après, je pense à rire. Donc, c'est le Dieu du Coran qui inspire les présidents africains. Alors, bon, ça vous engage. Alors, mon frère Nassour, il veut poser une question. Depuis donc que tu écoutes les enseignements sur Bambaïba, quels sont les questionnements bibliques que tu avais étant musulman? Comment explique-nous comment ça commence à se dissiper? C'est une bonne question. Revenant à la communion, elle dit ce qui s'est dissipé, c'est que bon, dans la Bible, dans les écritures, dans les enseignements des Bambaïba, bon, les questionnements des écritures qui est écrit,
ça nous montre comment, ça nous montre les différentes manières par lesquelles on peut s'adresser à notre Dieu et comment il peut nous prendre et comment on peut venir à lui. Et mais surtout le fait de s'adresser à lui, ça nous montre combien de fois on peut s'adresser à lui en toutes les circonstances. Dans toutes les circonstances, on s'adresse à lui, on est en communion avec lui. C'est ça, c'est ce qui a fait que la limite par rapport aux écritures du Coran, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Tu ne peux pas le Dieu du Coran. Non. C'est comme si tu as dit que si tu n'as pas lavé le sol, tu dis tu n'as pas droit à manger. C'est vrai ça, bon. C'est l'une des choses qui est partie à moi. Oui, c'est une des choses qui est partie à moi. La communion, le Dieu à notre le Dieu qu'on veut, que tout le monde, tout être humain veut communier avec lui. Oui. Et dans le Coran, ce n'est pas permis. Tu as l'impression que tu ne peux pas parler à Dieu dans ces circonstances-là. Bon, c'est l'une des choses, même pour moi, c'est l'une des choses que j'ai vu carrément l'éclaircissement. Et puis aussi, j'ai aussi toujours parlé de l'adoration. Bon, moi, je trouve normal parce que dans l'islam, on a l'impression que on est seulement en train de. Bon, tout il faut seulement. Comme quoi, comme si on ne peut pas se réjouir, parce que le mot, comme si on ne peut pas se réjouir, on ne peut pas être content que non, on a Dieu dans notre vie. Parce que quand tu es dans le christianisme, c'est un peu comme tu as peut-être réussi, ou bien tu as trouvé un travail, ou bien tu as réussi à quelque chose que tu fais depuis, et tu es juste content, ça, cette joie, si, cette riche-là, tu n'as pas cette joie parce que ça, et puis, il y a cette différence. Hein? Il y a cette. Allô, mon frère. Excusez-moi. Cette histoire de communion, surtout par rapport aux adorations, je trouve que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu que. Tu peux te réjouir avec Dieu, comme si tu es en train de danser Dieu. Tu te lèves, tu danses avec Dieu, ça te donne la joie et qu'on sort. Pourtant, dans l'islam, ce n'est pas comme ça. On a l'impression que c'est quelque chose, tu es comme robotisé. Tu dois faire ceci. Il n'y a pas meilleure façon, il n'y a pas autre manière d'arriver par là. Et mon frère, sur Bamba Iba, il y a des enseignements concernant les musulmans, les techniques de mensonge en islam, Abdou m'a dit le mensonge de l'islam, ainsi de suite. As-tu écouté cela et quelles ont été tes impressions? Non, je n'ai pas encore écouté ça. Un peu au moment, j'écoute. Ça va que continuer de checker dans la tête. Bon, pour moi, c'est pas une priorité d'écouter. D'écouter d'abord sa question, d'abord écouter mes questions. C'est une chose qui sont dans la Bible. Bon, il y a aussi une chose que je voulais dire à nos frères qui sont dans l'islam. Bon. Aujourd'hui, les musulmans nous accusent les chrétiens par rapport à notre façon de nous habiller, c'est-à-dire notre caractère, nous habiller. Mais ils confondent carrément, c'est une chose. Ils confondent carrément. C'est une chose que quand moi j'étais dans l'islam, je confondais, c'est-à-dire, je pouvais indexer carrément, parce que, bon, quand on se dit que ceux qui ne sont pas musulmans, forcément, c'est les chrétiens, je pouvais indexer carrément les autres personnes, sans savoir que nous ne sommes même pas chrétiens. Si tu es vraiment le chrétien, le Dieu de la Bible, tu appliques vraiment ce que les écritures disent? Non. On va voir que la façon de se comporter, il n'y a pas, par exemple, un changement. Disons même que l'islam, même, c'est eux qui ont trouvé la meilleure façon pour que la femme doit craindre Dieu. Oui. Mais sauf qu'ils ils empêchent les femmes d'être en communion avec Dieu. Oh, pourtant, Dieu ne veut pas ça. Dieu est en communion avec tout le monde. Il aime tout le monde. Dans cet islam, c'est comme si on bloque. Il faut qu'elle remplisse les conditions avant de passer. Quand le Dieu de la Bible n'est pas celui de Dieu. Bon, et on indexe beaucoup plus de gens d'ailleurs. On se dit que regarde vos soeurs là, comment elles s'habillent.
pour vous dire que votre Dieu, ce ne sont pas des chrétiens là-bas. Ne confondez pas les païens ou les soi-disant chrétiens. Bon, que nos frères ou nos sœurs qui sont dans l'islam ne confondent pas. Ceux qui vont m'écouter, ne confondez pas. Allez vers ceux qui pratiquent vraiment, demandez-les. Ils vont me l'expliquer. Oui. Et pour l'enseignement. Oui, frère, vas-y. Oui. Bon, donc je voulais tout simplement dire que pour l'enseignement, je n'ai pas encore écouté. Donc tu voulais signifier le point que les musulmans, et ça c'est vraiment un aveuglement, quand quelqu'un n'est pas musulman, pour eux c'est le chrétien, et par conséquent ils prennent les mondains qui vont en boîte de nuit, qui s'habillent avec le ventre dehors ou le sein dehors, croyant que ce sont les chrétiens. Et justement, manifestement, ces personnes qui s'habillent comme ça les dimanches généralement matin, on les voit aller dans les églises catholiques, protestantes, ainsi de suite, et par la suite on les voit vivre n'importe comment, et par conséquent ils prennent tous ces gens-là pour les chrétiens. C'est ça que tu voulais signifier. Exactement. Oui, exactement, exactement. C'est même ça qui fait qu'on indexe beaucoup les chrétiens sans pourtant savoir que parmi ceux-là, c'est des personnes, il y a les chrétiens, il y a les non-chrétiens. Donc, c'est ce que je dis, ce que je peux dire, c'est simplement dire à tous ces gens-là. Alors, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, frère. Je crois que Maroc dans la sainteté, aujourd'hui, on a passé un bon moment. Le temps pour moi de travailler avec d'autres personnes encore. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. La sœur Linda, que Dieu te bénisse du côté de la Chine. Amen. Ou bien la sœur Linda dort déjà. Oui, je dors. Oui. Amen. Oui. Je ne dors pas. Ok. Oui, frère Nassourou. Oui, Junior. Oui, oui. Oui, oui. Oui, pas. C'est une curiosité dans le livre de Romains 11. Bon. Non, c'est à partir du chapitre 30. Bon, dans une des enseignements où tu parlais, bon, ça m'a frappé, surtout le verset 30 là. De même manière que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que vous les avez, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu une miséricorde. Bon, on sait bien là que, bon, ce passage, je veux dire tout simplement que les chrétiens ont. Les païens, les non-juifs, ont laissé car c'est comme s'ils avaient les autres peuples avaient refusé de suivre le Seigneur. Justement, ce passage, je veux un peu plus de questionnement parce que quand on lit la Bible, on comprend que Dieu a choisi Israël. Dieu a choisi Israël. Oui. Mais quand on lit ça, on a l'impression que Dieu était venu près des autres personnes et puis ils ont refusé Dieu. Voilà. Prenons l'éclaircissement d'Actes des Apôtres, chapitre rapidement, là, avant que je vous laisse. Actes des Apôtres, chapitre 17, lis le verset 20 et jusqu'au verset 30. Lis cela toi-même. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 20 à 30. Actes 17, verset 20 à 30. C'est écrit. Ils s'entretenaient donc dans la synagogue avec les Juifs. Et les hommes craignaient Dieu sur la place publique chaque jour avec ceux qu'ils reconnaîtraient. Quelques philosophes et épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection, disait, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors, ils prirent et le menèrent à l'aréopage en disant, voulons-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes, car tu nous fais entendre des choses étrangères, nous voulons donc savoir ce que cela peut être. Amen. Seulement. Jusqu'au verset 30. Tu continues? Ok. Or, tous les Athéniens et les étrangers émirants à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de la page, dit, homme athénien, je vous trouve tout là extrêmement religieux. Car, en parcourant votre vie et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert une seule avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous
je verrai dans un sens le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout, qui est proche de nous, il ne point servi par des mains humaines, comme il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et des choses et toutes choses. Il a fait que les hommes se font avec toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Voilà, c'est là. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'air et l'être. Ce qu'on dit aux quelques-uns de votre ici donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit sans argent, à de l'argent ou à des pierres sculptées par là et l'industrie des hommes. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qui ont à se repentir. Amen. Amen. Donc, ouais, effectivement, que la Bible déclare là-bas que Dieu, malgré qu'il a fait cela, il était toujours à côté de nous. N'est-ce pas, frère? Mmh. Ah, et les gens ne savaient pas que Dieu était là quand même. Mais Dieu était quand même là. Donc, quand il dit clairement que par leur désobéissance, alors que la Bible nous fait état du fait que Dieu a effectivement choisi Israël, Dieu. Prends le Romain. Allons dans Romains chapitre 2 là-bas. Non, Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Oui, Romains chapitre 2. Oui. Lis à partir du verset 17 en descendant. Verset 17. Bon. Toi, qui te donne le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi. Toi qui te flatte d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. Là, tu continues? Continue, mon frère, continue. La circoncision est inutile. Est inutile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Si donc, lorsque tu mets circoncision, observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne serait-elle pas tenue pour circoncision? Une circoncision de nature qui accomplit la loi ne te commande-t-il pas toi qui la transgresses? Tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision, le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Amen. Donc, on voit effectivement qu'il met le contraste ici entre le fait que les juifs, puisque dans ce livre de Romains, il est question de comparer les juifs qui avaient l'authenticité de la loi et les païens qui obéissent naturellement à la loi sans avoir besoin de la loi physique qui est écrite. Il dit l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Là, Dieu avait ses oracles qu'il avait décidé de donner à Israël.
il dit dans ce livre de Romains là que de la même façon qu'on avait désobéi et que Dieu les avait choisis et par conséquent maintenant ils ont aussi désobéi pour que Dieu les choisisse, pour qu'il y ait égalité. Donc en fait Dieu a été toujours à côté de l'être humain, mais le vrai problème avec Dieu c'est que si lui il ne vient pas vers l'homme, personne ne peut le retrouver. Et dans Actes chapitre 17 comme il le dit, on voit effectivement dans la ville de Grèce, dans la ville de Grèce comment ils ont sorti tout genre d'idoles au point où ils sont fatigués, ils ont mis à un Dieu inconnu. Donc c'est ça qui montre clairement que l'être humain est fait pour adorer le Seigneur. Et la deuxième voie, c'est que si le Seigneur laisse l'être humain le chercher, personne ne le retrouvera. C'est vraiment pour cela que lui-même il a choisi Israël, comme mon frère. Et tout ce qu'on a de le faire sur la terre, c'est que si c'est Dieu qui ne se présente pas, si c'est pas Dieu lui-même qui se présente, tout ce qu'on a de le faire, on a de le faire cela dans zéro. Que Dieu te bénisse. Bon, si je comprends bien, les autres peuples pouvaient venir au Seigneur, mais en sachant que la loi existe toujours dans le cœur de tout homme, ils pouvaient venir vers le Seigneur, mais ils ont carrément endurci le cœur. Non, pas cela, ça? Pas de cette façon-là. C'est vraiment dit qu'en réalité, Dieu voulait montrer clairement que c'est le cœur qui est la source des problèmes et que venir à Dieu, c'est seulement lui seul qui peut résoudre le problème du cœur. Tu vois un peu, n'est-ce pas? C'est ça dont il est question. Parce que de toi-même, même si le païen est obéissant à la loi de Dieu, il ne peut pas obéir à ce que la loi requiert. Même la loi qui était donnée aux Juifs, si tu lis le livre d'Hébreux, chapitre 10, la Bible déclare, parlant du Christ, quand il entrait dans le monde, il a dit « Tu n'as voulu ni sacrifier ni le corps, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi je viens pour faire ta volonté. » Donc ça montre clairement que même la loi physique dans les prescriptions n'était pas la volonté, l'expression de la volonté parfaite des dieux. C'est là qui montre clairement que c'est l'œuvre de Christ qui doit s'accomplir à nous. Sa justice qui doit s'accomplir à nous. Amen. Amen. Bon samedi à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, shalom, shalom. Vous permettez qu'il y ait d'autres personnes. Shalom. Absolument. Bien sûr. Bon, je vous remercie. Bon dimanche à tous. بتسبح لك وتغني لك وتفل بالخشوع كل شعوب الارض بتهتف تعلم ملك يسوع بتسبح لك وتغني لك وتفل بالخشوع الارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها الارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها شايفينك وانت بتمشي يا رب سلطانك وسطينا وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور اراضينا شايفينك وانت بتمشي يا رب سلطانك وسطينا وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور اراضينا الارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها الارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها عايشين لك زين وبكل يقين اعلن روحك فينا بيسر في ايدينا وبك يا معين ماشي من حوالينا الارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها الارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها رافعين رايات ووعود غالية ثمينة بالدم الغالي نشوف حياة وصليبك يرمينا ماشيين وياك رافعين رايات ووعود غالية ثمينة بالدم الغالي نشوف حياة وصليبك يرمينا انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها الارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها الارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها فلا احنا دي ملكك يا ابن الله
انت الملك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها يسند ملكك يا ابن الله انت الملك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها حياتنا دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها